gamers, amis gameuses, ici Emuac.factory. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Tropico 4 pour le mode campagne, donc la deuxième mission, Isla de Hierro. Donc qu'est-ce qui nous attend dans cette vidéo? Eh bien le développement de cette île qui a énormément de ressources minières et qui est aussi en proie à des tremblements de terre. Donc ça ne fait pas peur à notre dictateur préféré et d'ailleurs Penultimo nous le dit si bien, un milliardaire s'intéresse à notre île, Kate Preston. Donc ce milliardaire nous propose de s'allier avec nous et ça commence par une création de mine. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, une mine de fer. Vous voyez, il y a trois gisements sur cette île là, enfin la plus proche. Pour le transport ça sera moins compliqué. Donc après avoir fait prospérer Santa Clara, nous voici sur Isla de Hierro, de Hierra, je sais plus trop. J'ai pas envie de construire, merci. Je vais faire une ferme quand même, de maïs, voilà. Nous allons essayer de faire prospérer cette île qui est, contrairement à Santa Clara qui était assez complète, là qui a que des ressources minières. Très beau hein, comme comme ruine d'ailleurs, on peut le constater, on peut pas les exploiter il me semble, mais enfin c'est très beau. Cette île est très très belle, petite plage et tout, vous voyez. Donc j'ai avancé le temps pour pas que cette mission, alors comme je vous l'avais dit, j'ai déjà fait les trois premières missions. Maintenant j'attends pour pour la vidéo YouTube. Cette mission il me semble qu'elle était pas très très compliquée. Il suffit de bien exploiter, j'avais déjà des fermes ici, bon c'est pas grave. Il suffit de très bien exploiter bah, toutes les mines, quoi, tous les gisements, sans non plus partir dans des trucs de fou. La paille, d'accord, café, ok. Voilà, on va faire du sucre ici. Keith Preston, voici ma carte. Je crois que vous avez déjà mon chèque. Voilà, donc ça c'est Kate Preston, donc un PDG milliardaire. Qu'est-ce qu'il me veut? Vendre du fer, d'accord, voilà, je mets canot de ravitaillement par les personnels. Par un groupe de militants des droits de l'homme, j'ai donc besoin d'un nouveau partenaire. Donc si j'exporte 500 unités de fer, je gagne 15 000 dollars sur le compte en Suisse. C'est parti. Donc on va revenir à un format plus... meilleur pour le visionnage, donc 20 minutes, 20 à 25 minutes maximum pour que ça puisse bah, être mieux pour vous notamment, pour augmenter le salaire quand même parce que là voilà, j'ai gagné pas mal d'argent, je vais faire des logements histoire qu'on soit pas j'ai pas envie de voir des cabanes dès le début, je vais faire un petit appart ici. Belle petite île, ça peut être très compliqué. Alors le problème c'est les tremblements de terre dans cette île, si on peut... C'est peut-être état de l'île... Donc bon, pour le danger volcanique, vous avez vu que toute la zone qui est en rouge en fait, c'est les zones qui peuvent être en danger s'il y a une éruption volcanique, donc bon, j'ai besoin d'un service partenaire. Si nous baissons les prix d'exportation du fer de 10%, nous perdrons une partie de notre marge, mais nous éliminerons une partie de la concurrence. Donc voilà, là il fait du dumping, donc qu'est-ce que c'est le dumping? C'est baisser les prix pour éliminer la concurrence, et après bien sûr ça sera rentable à moyen terme. Donc là je suis d'accord, j'ai envoyé ça, l'argent bah, à la trésorerie. Et donc si on voit une zone tsunami, on voit que la zone est aussi pas mal couverte, l'île est vraiment en termes de danger et bien, ouais, pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième mine de fer, tant qu'à faire. D'accord, c'est une rime à 2 balles, on passera sur ça. Alors, mine de fer, donc il y en a une autre ici, vous voyez, c'est pas... Le mieux c'est de... Si je peux vous conseiller, parce que j'ai vu sur le forum de jeux.com qu'il y avait
pas mal de personnes qui avaient du mal par rapport au... à l'exploitation de mines. Ce qu'il faut faire avant tout, bon, déjà c'est de construire une mine bien évidemment sur un gisement de minerai. Une mine qui soit en concordance avec le gisement, c'est sûr que si vous faites une mine de bauxite sur un gisement de fer, ça peut-être pas marcher. Et ensuite, il faut donc une route qui, normalement, enfin, normal quoi, une route qui relie la mine à la ville. Et puis, si vous voyez que c'est trop loin, construisez un garage donc, pour que les habitants puissent se déplacer en voiture. Et puis, un bureau de routier pour que la marchandise puisse être acheminée vers les docks. Je vais monter un peu le tout sur le coton. Là aussi. Voilà. On commence déjà. Bon, quantité quand même 14 100 kilos, je crois, de fer, donc c'est pas mal. J'ai déjà 20 000. On va reconstruire un logement. Ça serait bien qu'ils me finissent quand même le. Bon, je trouve que le palais est vachement mal situé, mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas où est mon président. Je sais pas comment ça gaspille de l'argent pour rien. Je vais peut-être avancer le pas un petit peu quand même. Bon, vous voyez que financièrement, je suis assez bien. Je vais quand même voir un peu pourquoi ma population. D'accord, divertissement. Okay. Je vais aussi faire une église comme ça. Pour la foi, ça sera bon. Voilà. Histoire qu'on passe quand même au-dessus des 50%, ça serait sympa. Les logements, ils y sont. Hein. Faut juste attendre que ça se finisse de construire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, les débutants surtout, parce que bon après une fois que... Et ça c'est le volcan, ça, il est endormi. C'est vrai que mon Tropico, une fois que c'est pris en main, ça devient pas compliqué. Hein. Faut le savoir. Donc n'hésitez pas vraiment, je mettrai deux. Ça aussi ce que je peux conseiller c'est de mettre les logements pas tellement chers. Tout le monde puisse avoir un logement et puis mettre les salaires, ne pas avoir peur de mettre des salaires. De toute façon, si vous faites un bon réseau de fermes, mines et de tourisme, bon, l'argent sera là, donc il n'y a pas de souci à avoir. La satisfaction de ma population baisse comme neige au soleil, c'est pas bon cette histoire. Un petit truc de divertissement, un petit pub. Le problème c'est qu'ils mettent pas mal de temps à construire les trucs. Ouais, ça me rapporte déjà 1 000 $ la production de sucre, c'est pas mal. En pouvant en faire pas mal, à mon avis, je vais faire pas mal de fermes. Là, ça va être ma roue de secours, si vous voulez. Là, je vais en faire une directe, comme ça. Merde. Je vais même en faire deux. Voilà. Comme ça, tout le monde aura un travail. Buona tarde. Ça aussi ça a été créé. Donc là, ce que je vais faire pour éviter qu'il fasse trop de chemin, bah, je vais faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc bon là c'est pas forcément utile étant donné qu'on a c'est pas très très loin, c'est pas mais bon comme ça moi c'est fait pour une éventuelle expansion de ce côté-là. Je voulais vous montrer des statistiques. Donc, il y a de la criminalité d'après le mec. On va voir. Effectivement. Effectivement, bon, il y a un peu de criminalité. C'est pas encore un problème
un gros problème. Vous voyez que l'exportation de fer se passe plutôt bien. 421 sur 500, je vais bientôt finir la mission. Je comprends pas, je les paye bien pourtant. Bien joué, partenaire. Voilà, donc la mission est accomplie. Ouais, c'est quelque 15 000 chose pour dollars sur toi. le compte suisse, ça fait toujours plaisir. En plus, ça aide mon île à prospérer. Parce que là, on est quand même dans un bon. On a un bon budget. Franchement, on a un bon budget. L'action du peuple commence à s'améliorer aussi. Ça va, ils sont plutôt bien. Certains de vos ouvriers sont en arrêt de travail. J'ai dit, mettons-nous en arrêt des droits de l'homme. Les personnages sont vraiment énormes dans ce jeu, c'est un truc de malade. Les clés routiers sont en grève, donc ça, c'est un gros problème. Puisque c'est grâce à eux qu'on exporte entre autres les marchandises. Donc 300, d'accord. Bon, je vais les payer. C'est pas un souci, ça coûte pas non plus. Ils étaient que 3 de toute façon. Puis vu le salaire qu'ils ont, j'ai pas envie de les comprendre. mille, ouais, c'est plutôt pas mal. J'attends le deuxième objectif du PDG. Donc ce PDG, je crois que dans le mode campagne, ça va être un gros soutien. J'ai quand même pas mal de cabanes, je vais peut-être en refaire un déménagement. Voilà. Plutôt faire des maisons. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de. De design des maisons différentes. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on s'en tape un peu. J'ai pas mal de fermes là, ça fait plaisir. Partenaire, nous avons un problème. Les prix du fer s'effondrent et il ne m'est plus facile d'obtenir des marchés aussi lucratifs qu'avant. Donc là, voilà. Alors. Le marché du fer s'effondre, donc forcément mes mines vont pas servir à grand chose pendant pas mal de temps. Il me demande, bah, je sais pas ce que je vais, j'ai pas regardé ce qu'il me fallait. Bien sûr, je peux pas regarder. Bah, écoutez, on va, voilà, le prix des denrées de fer diminue de 20%, donc vous voyez bien que je gère de l'or. Très bon choix, Je sais partenaire. pas. Très lucratif. Comme le dit toujours mon comptable, avec l'or, on ne peut pas se Je sais tromper. pas en fait ce que Isla de Hierro a comme minerai, donc j'ai demandé de l'or. Voilà. Il faut que je fasse comme le fer, donc exporter 500 kilos de d'or. Et voilà, donc ouais, il a 3 gisements aussi. Plutôt loin même, par rapport aux autres. Ça commence à faire très loin, effectivement. Bon, la gueule des routes, c'est pas le genre où il y en avait du bauxite pour voir un peu si c'était plus loin ou pas. Comme ça, vous le saurez en même temps si vous faites la partie. Le bauxite. Le bauxite, c'était même un peu plus loin, vous voyez. J'ai bien fait de prendre de l'or. On va voir le sel. Je trouve à chaque fois. La sel, il y en avait un là, juste en dessous des ruines. Le sel, c'était pas mal. C'est pas très grave. Ça rapporte un peu de sous. Bon, le truc qui rapporte le plus de sous, évidemment, c'est le tabac. 16 000 dollars là, direct. Enfin, j'exporte des sommes de fou. Cher Presidente. Effectivement, j'ai pas pensé aux écoles. En plus, je reçois des aides, enfin, c'est un truc de malade. Je vais faire un petit. C'est pas ici l'éducation, c'est là. École primaire.
plutôt ici. Je vais aussi faire un journal. C'est plus pour la liberté. Côté du palais, comme ça, ça fait un peu... Et enfin, je vais faire un poste de police. Et une caverne. Caserne, pardon. Pff, caverne. Là, je vais faire une caverne, ouais. Voilà. Là, je pense qu'ils vont avoir du boulot, nos amis constructeurs. Faut pas hésiter, hein, quand vous avez des moyens. Par contre, ça va peut-être mettre un peu de temps pour celui-là, du coup. Ah, lui m'a rapporté déjà 3000 dollars. Plus 5000. 15 000 au total, vous imaginez un peu le 3000 aussi, c'est énorme. Les mineurs se plaignent d'une espèce de maladie de la poussière, la silicose, qu'ils auraient chopée dans les sous-sols. Présidente, l'île a besoin d'un docteur. D'accord. Bon, j'accepte. Ça fait beaucoup quand même. Un mineur qui meurt tous les 4 mois, ça va faire... personne. J'attends d'avoir des moyens du coup, parce que là c'est vrai que je suis un peu ric-rac. On se développe plutôt bien là, je suis assez, voilà, moi 4 morts l'an dernier, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Heureusement j'ai des immigrants, ça permet de t'es remplacé les mineurs qui meurent, les pauvres. Je vais faire... Alors, est-ce que c'est bien-être économie? Effectivement. Il y a un petit peu de place ici, je vais en profiter. Il n'y a pas trop de cabanes là, je suis assez content. On est un peu vers là, ouais, bon, c'est pas très grave ça. Je vais voir quelle est la satisfaction un peu. La foi toujours un peu basse. L'environnement aussi, ouais. Effectivement, l'environnement, ça descend à une vitesse grand V, étant donné que je fais des mines un peu partout. Forcément, pour l'environnement, c'est pas terrible. D'ailleurs, la femme de l'écologie, là, je sais plus comment elle s'appelle, va souvent me reprendre par rapport à ça. C'est pas un problème. Si je fasse un lycée, parce que bon, voilà. Présidente, acceptez cette fleur en cadeau et écoutez. Une sécheresse, présidente. La mère nature nous rappelle brûle aux sources. Aux sources. Ça c'est. Il y a aussi des réchauffements comme ça un peu, là ça me niquait pas mal de terre et tout pour la ferme, ça fait un peu chier. J'ai 30 000 au passage. On va, je vais faire quoi? Alors lycée. Ça prend énormément de place ces conneries. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bah, aller à logement. À notre appart. Bah, j'innove un peu en termes de construction. Bah, ça change un peu. Et pas des... Laissez-moi vous donner un conseil, partenaire. Vous êtes dans une position idéale pour devenir le mania de l'or des Caraïbes. J'ai accepté parce que j'ai déjà 3000. Elle a été finie, comme vous le constatez. Elle est en train de produire, on va pas s'inquiéter pour ça.
J'attends que cette merde, parce que ça fait un filtre de merde quand même. Fait qu'il y a un réchauffement. Oui, ils sont plutôt bien ouais, au niveau du salaire. Peut-être pouvoir avancer un peu le temps. En plus, ça coûte un bras, payer 400 pour chaque. Après, ils peuvent s'irriguer tout seuls. Hein, Dieu soit loué pour le nouveau médecin. Il sait guérir la silicose avec du rhum. Voilà, aucun mineur ne mourra plus de cette maladie. Donc ça, c'était une mission aussi, visiblement. Donc on est content. Le peuple veut de l'action. Apposez votre signature sur ce décret. Allez. Logement gratuit, donc on va faire ça. Général. Logement gratuit. Ça c'est bien pour que la satisfaction du peuple. De toute façon j'ai pas mal d'argent. Les missions viennent comme... Votre île est riche en ressources naturelles, partenaire, mais je suis sûr qu'il y a encore des choses à récupérer dans les sous-sols. Allez, c'est parti. Lui il y va, hein, pour exploiter l'île, il y va. Il n'y va pas... Un bâtiment est en feu, ça c'est cool. J'ai pas de pompier. Il pleut, mec. Là, je suis dans la merde. J'ai pas de pompier. J'espère que ça va pas se partir un peu dans tous les sens parce que ça va être un problème forcément. Écoutez, de toute manière, on va se quitter là sur ce début de enfin, plutôt fin d'incendie. C'était une belle maison. Allez, dommage. Presidente, notre mission est de faire circuler l'argent. Ah non, je refuse, attendez. Ça va. Le bâtiment a été détruit. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais rester là. On reprendra une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, on augmentera un petit peu. J'ai un autre bâtiment qui brûle. D'accord. On continuera le développement de cette île. De cette île qui a beaucoup de ressources minières, comme vous le constatez. J'espère que la vidéo vous a plu. D'ici là, soyez bons joueurs et ne rachetez pas. Allez, ciao tout le monde.